important, surtout 50 ans de cela, est-ce que nous pouvons penser que Maurice est sélectionné pour avoir un premier satellite. Et 2019 sera l'année. Je me félicite et aussi remercier la Chambre de commerce qui fait organiser ce workshop-là en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Et nous pouvons trouver qu'il nous fait un expert en la matière qui peut capable avec nous parce qu'il y a beaucoup de satellites qui peuvent opérer sous notre légiste et dans l'espace. Il est important qu'ils soient capables de nous un know-how pour, parce que nous avons plein de process qui nous peut build nos satellites et nous capables hériter et vite manérer qui nous capables faire parce que nous très novices dans le domaine et ils ont capables Paul Newman jeune qui peut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour monter sa satellite là. Et deuxièmement, moi fais une cause avec le représentant mondial comment Maurice capable bénéficier de bandes d'État qui jettent bandes satellites qui déjà peut tourner autour de l'océan Indien qui est capable et nous pour gagner sa bande d'État là avec plus d'informations qui nous gagnent, nous pouvons développer beaucoup plus de choses et nous man jeunes pour venir avec beaucoup plus de nouvelles applications, de nouveaux business models pour encourager l'entrepreneuriat Maurice. De prendre le satellite qui nous peut lancer, nous pouvons faire une land base station, c'est-à-dire longtemps, mais tu peux prendre l'information depuis man les autres centres. Aujourd'hui, nous centres pour là et nos satellites pour nous. Ok, et là, nous pouvons guetter comment nous pouvons collaborer pour nous gagner l'information des autres satellites aussi. Quand la station là pour là, vous pensez que ça pourrait faire une plus grande nouvelle encore. Et qu'aujourd'hui, nous faisons un expert avec l'aide de l'ambassade américaine, un expert qui pouvait montrer comment l'utilisation de bandes data satellitaires capable d'être développement économique. Et c'est là qu'il y a un projet que la Chambre de commerce est impliquée. Ou plutôt, ben, chiffre montrer que chaque roupie qui dépensait le ban image satellitaire a un effet multiplicateur jusqu'à 10 fois. Ça veut dire qu'il y a même chaque dépense le ban image satellite, il y a un effet donc valeur ajoutée dans l'économie. Donc nous, à la Chambre de commerce, avec sa lettre, sa expert-là, il peut démontrer dans différents secteurs, donc l'économie, comment l'exploitation de bandes images satellitaires capable d'effet le développement économique. C'est ça l'importance de le workshop d'aujourd'hui avec un ensemble de bandes stakeholders de l'économie. We're cognizant of the fact that Mauritius is soon going to be a spacefaring nation with your KiboSat cube. Our company is really focused on some key technologies that can assist Mauritius. Some of these technologies are focused on the land, where we're able to detect illegal dwelling structures, where we're able to detect land cover mapping, deforestation, and these types of issues. Our technology moves into the coastal zone where we're actually able to map coral reefs, the health of those coral reefs, the health of your crops. More importantly, with your big EEZ zone, this is the zone where Mauritius actually owns fishing rights, we have technologies that are able to find illegal fishing vessels. And this can be monitored on a daily basis. It can be monitored at night. And essentially, the technology is being used by other nations with large marine resources to try and protect those resources and keep the economy flowing in those countries.